Bienvenue sur Vagrant Story. Je pense que c'est pas normal. Enfin bref, on va lancer le jeu. Donc Vagrant Story, édité par Squaresoft, développé par Squaresoft, concepteur Yasumi Matsuno. Musique Hitoshi Shakimoto. Je crois que je les connais. Bref, sorti en 2000. Juin 2000 pour nous, sinon il est sorti en février. Au Japon, on est dans le manoir du duc Bardorba. Voilà. Alors, je ne connais strictement rien au jeu. Jamais joué. Vu peut-être une vidéo en tout. Jamais rien. Je connais très peu de choses sur ce jeu. Je sais que c'est un RPG action, en tout cas de ce... J'ai l'impression d'avoir compris ça avec ce que j'ai vu. Beaucoup de gens m'ont dit que du bien. On m'a même posé la question, en fait, il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que je le sors maintenant, en fait. On m'a posé la question, est-ce que je le ferai? Bah, j'en sais rien. Parce que je crois que c'est un vieux RPG, donc du coup, c'est long. Évidemment, on a la version anglaise parce que 60 Hz contre les 50 Hz de la version PAL. Donc ça va tout être en anglais, c'est pas vraiment un problème. Alors déjà je le trouve très moche, je vais être honnête, je sais que les jeux PlayStation, c'est des jeux PlayStation, hein, c'est vieux, hein, ça a 20 ans, mais celui-là je le trouve particulièrement moche, alors que je joue à Parasite Eve 2 facilement, mais ça me rappelle plutôt Parasite Eve 1 par exemple, les graphismes quand même qui laissent un peu à désirer, mais après voilà, c'est juste, je voulais juste dire ça par rapport au graphisme. Mais après, je dis pas que le jeu est mauvais, attention, vous me connaissez, hein. Attendez, je joue à plein de vieux jeux, il y a plein de gens, ils pourraient même pas y jouer de nos jours, tellement que ça a changé les jeux vidéo. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air sympa. Alors de ce que j'ai vu, c'est, voilà, c'est un vieux RPG, c'est un RPG old school, même si c'est action, ça reste encore un RPG. Donc apparemment, très long, jeu très long. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que ça sera sûrement mon excuse pour pas le faire en entier. Hein, je sais pas si je le ressortirai un jour pour le faire, ça m'étonnerait parce qu'il est long, apparemment. Mais bon, on va voir. On va voir déjà avec le gameplay tout ça si j'aime. Parce qu'il est un peu spécial le gameplay. J'ai testé 5 minutes, mais je vais le montrer après. J'avais déjà testé 5 minutes avant de lancer la vidéo. Ça me rappelle un peu Parasite Eve 1. C'est-à-dire qu'il va avoir une sphère, en fait, pour pouvoir choisir l'ennemi sur lequel on veut taper. Et on va pouvoir aussi choisir les parties sur lesquelles on veut taper. Donc, par exemple, le bras de l'ennemi, les jambes de l'ennemi, etc. Ça a l'air intéressant. Ça a l'air d'une sorte de RPG, action RPG tactique, stratégique. Enfin, bref. Donc nous on va jouer le rôle de Ashley Riot, un explorateur. Non, j'en sais rien. Enfin en tout cas il va explorer une ville fantôme et des catacombes. Ils appellent ça un dungeon crawler pour le jeu. Alors, on se fait taper. Alors là voilà, on peut choisir... quelle partie en fait on va attaquer. On a les pourcentages de chances de toucher, je crois bien, si je comprends bien. Et ça nous dit après aussi ce que c'est comme cible. Donc par exemple là c'est un humain, ça nous explique plein de choses. Enfin voilà, il y a beaucoup de détails. Donc, je sais pas, on va lui taper la tête. Yeah, on lui a tapé la tête. Alors je sais pas si ça sert vraiment à... Oh, on a fait un coup critique. On lui a coupé la tête. Yay! Alors, je sais pas si ça sert vraiment de courir pour éviter les coups. J'ai pas vraiment l'impression. Pour le moment, j'ai pas trop compris aussi quand on tape. J'ai l'impression qu'on peut...
taper quand on veut, mais ça doit sûrement pas être ça, c'est sûrement lié à quelque chose, genre une barre qui augmente, tout ça. Enfin, j'ai pas remarqué en tout cas, moi, pour le moment. Encore une fois, j'apprends le jeu. Hein. Jamais joué, jamais vu. Mais en tout cas, c'est un bon jeu. On m'a toujours dit que c'était un très bon jeu. Le problème aussi avec les jeux que je connais pas, je suis pas sûr en fait si l'émulateur rend bien les choses. Normalement oui, hein, mais s'il y a des petits bugs, des sortes d'artefacts qui se voient sur les écrans, tout ça, je ne saurais pas si c'est lié au jeu ou si c'est lié à des bugs de l'émulateur. En tout cas, beaucoup de cinématiques au début. On dirait un ancien Metal Gear Solid, on dirait un jeu de Kojima. Ou alors les Final Fantasy. Mais les personnages sont un peu... Ouais, c'est un peu moche quand même. Par contre, ce qui est sympa, c'est que vous regardez la bouche, elle bouge. Alors ça, c'est quand même fort pour un jeu PlayStation. C'est quand même pas mal. Par exemple, après je peux le comparer un peu par exemple à Koudelka qu'on a fait aussi. Koudelka est quand même très très beau hein, niveau cinématique et tout ça. Paroles, mouvements. C'est quand même beaucoup mieux par exemple Koudelka si on compare à ça. Have a bogen, aim at your heart. Waouh. Il est habillé comment, le mec? Le mec, il est torse nu. Avec un tatouage dans le dos, sûrement. Avec des protections sur les bras et avec des gants. Mais il a une robe et un pantalon. Et il a aussi un carreau dans le cœur. Intéressant comme concept. Très intéressant. Sydney. Boum, et il était pas mort. Ouh, combat. J'aime bien parce que si je plante, si je tire, j'ai une arbalète. Et je tire dans le cœur de quelqu'un. S'il se relève, normalement, à moins que j'ai une grenade hein, sous la main, je vais peut-être pas essayer de le combattre. Je vais sûrement partir. Hey. Alors après sur le Wikipédia, ils disent des choses intéressantes que je le lis en même temps parce que la cinématique est très longue. Le système de combat requiert que le joueur enchaîne des attaques pour infliger efficacement des dommages aux adversaires. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire, comment ça se traduit en jeu. Ces enchaînements d'attaques se réalisent en appuyant sur des boutons de la manette de façon synchronisée. Alors déjà, bon, je suis pas super fan de ça. D'une manière qui rappelle les jeux de rythme. C'est intéressant. Hey, battle mode. Spécial attaque, fire breath.
Là on brûle, c'est ça, on meurt. Non, là il nous a touché. On peut se mettre en première personne aussi. Alors il faut s'avancer parce qu'on a une... Le cercle est petit parce que c'est des attaques de mêlée. Ça me rappelle beaucoup Parasite Eve 1. On a la tête. Coupe la tête. Yes. On peut tourner la caméra. Alors comment on évite les coups? Moi c'est ça que je comprends pas trop. Je dirais qu'il faut éviter de se mettre à portée du coup. Apparemment, je peux taper quand je veux. Et après, il y a une chose de risque. Je sais pas ce que c'est. Ah. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que pour le moment, je comprends pas vraiment. Apparemment, on a gagné. Le combat, personnellement, alors bon, comme j'ai dit, il y a des zones d'ombre que je comprends pas vraiment, mais... en tout cas, ce genre de RPG action, j'aime bien, ça va, c'est mon genre de jeu. Comme j'ai dit, j'ai joué à Parasite Eve 1, c'était exactement la même chose, enfin, plus ou moins exactement la même chose. Avec cette sphère et tout ça. C'est peut-être des gens qui ont travaillé, en fait le concepteur et tout ça, c'est peut-être des gens qui ont travaillé sur Parasite Eve 1, non? Vu que le système est tellement similaire. Je regarde un peu au passage. Background story. Non. Final Fantasy Tactics. Non, il n'y a pas de Parasite Eve. Durail, c'est Durail qui a dit ça. Est-ce qu'il faut zapper? Est-ce qu'il faut passer? Est-ce qu'il faut attendre? Je sais pas trop. Je fais start. Est-ce qu'on va zapper les trucs si on fait start? Je sais pas. Vous voyez, ça c'est le problème avec des jeux que je connais pas. Je sais pas si on va zapper des cinématiques ou pas. Alors après, vu que c'est un jeu action RPG, je pense pas qu'on va commander d'autres personnages. Ça, j'en sais rien, mais je vois pas trop comment on pourrait le faire. Peut-être à moins qu'ils attaquent automatiquement. Mais en tout cas, pour le moment, ça a l'air de celui-là qui attaque le premier, quoi. On est à Lea Mundis. C'est une cité maudite apparemment. On va avoir des magies. En plus de combattre, Ashley peut courir, sauter et déplacer des caisses ou des cubes. Pour se frayer un chemin dans les donjons. Moi, je peux aussi utiliser de la magie de guérison, de la magie de feu, etc. Les dommages infligés varient également en fonction de la partie du corps visée de l'ennemi. Bon, ça, je m'en serais douté. Ouh, c'est joli, ça.
Regardez la bonasse tueuse. Il y a du type d'arme utilisé par le joueur. Plus Ashley combat et plus sa barre de risque représentant la nervosité d'Ashley se remplit. Est-ce que... Ok, il faut juste attendre. Ce qui a pour effet d'augmenter la puissance de ses attaques en diminuant en revanche leur précision. Par ailleurs, des compétences défensives permettent à Ashley de réduire ou de renvoyer des coups qu'il subit, ou d'échapper aux altérations d'état. Des sorts peuvent être lancés pour attaquer. Léa Mond. Mond 10, non. Lancer des attaques, soigner ou encore modifier les attributs d'Ashley ou de ses ennemis. Enfin, Ashley peut apprendre des Break Heart, attaque spéciale qui diminue les points de vie en échange de dommages supplémentaires à l'adversaire. En tout cas, sur papier, ça a l'air très intéressant. Ça donne une grosse vibe, en fait, de Kudelka mélangé avec Parasite Eve 1. Kudelka aussi, je crois qu'on peut le catégoriser en tant que dungeon crawler, en fait. En gros, chaque pièce... Enfin, quoique Kudelka, c'est plus côté Resident Evil, quand même. Là, on va voir qu'apparemment, c'est de salle en salle. On avance de salle en salle. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Par contre, la cinématique d'intro est extrêmement longue. Ça va être la première vidéo, je crois. Et après, la deuxième vidéo, on aura du gameplay. Voilà. What's this? Qu'est-ce qu'il est méchant? J'aime bien le fait que les bouches soient animées. Dans Parasite Eve 2, ça n'y était pas. Si je dis pas de bêtises. Godspeed. Ça veut dire bonne chance. Ou alors, plus précisément, Dieu soit avec vous. Oh ah, là, ça va devenir du hentai, là, par contre. Ça risque de devenir du hentai. Excusez-moi de pas lire en fait, de pas trop lire, parce que j'ai pas vraiment suivi trop l'histoire. L'histoire a l'air d'être un tout petit peu compliquée et j'ai pas trop eu le temps de me plonger dedans. Du vin.
A strange power indeed. Donc on peut bouger la caméra droite-gauche. Et à chaque fois apparemment on est dans des sortes de salles en fait. Où c'est qu'il y a des puzzles. Donc on peut sauter. On peut grimper. Donc je présume que... Putain, on peut grimper haut en fait. Est-ce qu'on peut sauter par contre? Genre ouais. On pourrait sauter d'un autre côté. Pas vraiment. Je présume que des fois on va avoir peut-être des puzzles ou récupérer des objets, etc. Des choses comme ça. On peut passer en mode combat. Je sais pas à quoi ça sert ça. Sûrement pour sauvegarder. On a le quick manual, le score. Ouais, sympa. Donc les options data pour sauvegarder, je présume. Ça stresse ça de voir la... Not enough free blocks. Oh merde. Ah, ça... J'ai eu peur. Fouah. Après nous avons la carte. Très très moche. Enfin, super simple la carte. Ça fait vraiment, ouais, dungeon crawler quoi. C'est de salle en salle, vous passez de salle en salle, c'est tout quoi. Et je pense pas qu'il va y avoir trop de puzzle dans ce jeu. Donc on a de la force, de l'intelligence, de l'agilité. Donc agilité, ça permet de la chance de toucher et d'esquiver. Intelligence, c'est la magique, attaque et défense. Et bien sûr, l'attaque, c'est la puissance de l'attaque et la défense aussi, apparemment. Donc on a les jambes, le corps, la tête, bras droite, bras gauche. Donc les jambes, elles sont... c'est droite et gauche en une fois. On peut équiper, apparemment, sur chacune... chacune des parties. Et on peut aussi avoir un bouclier. On a une épée. Et aussi, on a un accessoire. Il y a quand même beaucoup de choses, hein. Il y a énormément de choses, hein. Énormément de gear. Après on a des objets. Donc on a différentes catégories. Scimitar, c'est ce qu'on a. Short. Il toque. C'est les équipements. Beaucoup de choses. Donc HP, il y a écrit 250 plus 250. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc là, on trouve des objets en plus, donc on va tout prendre. C'est pas un peu le coffre le plus rempli du monde ?